Attention, vidéo ça pas fait dans objectif pour encourager ou soit faire promotion pour téléchargement illégal. Nous juste à présenter techniquement une technologie qui est intéressante. Ça va arriver nous citer quelques sites côté ou qu'à télécharger contenu qui est légal, mais tout ou qu'à joindre des bagages qui protégés par droit d'auteur. Même si en Haïti nous pas respecté en pile règle, mais télécharger un contenu qui protégé par droit d'auteur illégal. Nous pas gagner aucune responsabilité dans qui j'en pour utiliser ça dit dans vidéo ça. Nous habitués télécharger sur Internet. Nous télécharger documents, films, séries, vidéos, applications, mises à jour Windows. Mais en fait, il y a plusieurs types de téléchargement. Téléchargement direct, streaming, peer-to-peer, etc. La majorité téléchargement nous, c'est téléchargement direct. Mais je dis, nous pourrons montrer comment peer-to-peer est très intéressant. D'abord, nous allons expliquer ça que téléchargement direct là, et puis nous allons montrer qui avantage puis tout peut là gain solide. Téléchargement direct, direct download en anglais. C'est les fichiers ou besoin sur un serveur central. Côté tout le monde qui besoin fichier ça, supposé adresser au serveur central ça. Ça qui un serveur. Un serveur par l'autre qui un ordinateur qui plus puissant qu'un ordinateur normal. Un desktop par exemple. Il là pour répondre automatiquement à qui on demande d'un utilisateur qui nous relaie client. C'est pour ça, architecture ça, relais, client, serveur. Exemple. Là, on fait une recherche sur Google, c'est un serveur qui comprend son mandat, et puis, bon résultat. Puis, fort site, c'est site téléchargement direct. D'un coup, leur besoin logiciel, ou à sous télécharger.com. Ou soit, ou à sous site officiel, d'un coup, Adobe, sous besoin au logiciel Adobe. Ou soit, ou à sous site officiel Microsoft, là, sous besoin Office, ou soit Windows. Exemple encore, Netflix. C'est vrai que ou ka gade en streaming, mais ou ka télécharger film ak série ou tout. Streaming c'est là ou tande audio ou soit vidéo online. Pendant ou ap tande ou soit gade, c'est comme ça données qui constitue fichier a vini. Problème nan, faut que internet ou pale. Sinon, ça ou ap gade ap coller. C'est ça qu'on rive nous, il a gade vidéo sur YouTube ou soit les nous sur Netflix et puis internet non pas bon. Streaming, c'est toujours relation client-serveur. Contrairement avec téléchargement direct, les données ne pas arrêter sur l'ordinateur. Depuis, ou fin l'histoire de client, ils effacé. Kounya, on nous penche sur peer-to-peer qui est différent de téléchargement direct. Peer-to-peer veut dire égal à égal. Tout le monde égal à l'autre sur le réseau. C'est un moyen pour nous montrer que pas de relation client-serveur. Contre, tout ce besoin. Faut que c'est un serveur qui pour baou. Dans peer-to-peer là, tout ordinateur sur réseau recevoir données, voyer données aller. Ça veut dire tout le monde qui a joué rôle serveur ou soit joué rôle client sans problème. Pour nous entrer dans détail sur réseau ka gen serveur. Mais tout trafic yo pas passer par lui. Li gen droit là pour guider monde sur réseau. Dans un système client serveur, si serveur a gen un problème, tout le monde pas ka communiquer. Depuis 3 moun a contacté serveur, li ka crash. Ça veut dire li tombe. C'est ça qui t'est arrivé, yon lè ou te décidé mettre résultat élection en Haïti yo online. Côté serveur ou soit ensemble de serveur yo, pas de capacité pour traiter toute requête sa yo. Gros compagnie qui connaît qui a sollicité service yo ou soit site internet yo déployé on équipe matériel et puis en pile technique pour genre de problème ça yo pas arrivé. Actuellement, nous ka estimer que Google gagne combien millions serveurs la caille. A pire tout pire là, nous pas besoin de tout serveur ça. Philosophie c'est une compter sur l'autre. Qui donc si nous besoin télécharger un fichier, c'est sur ordinateur l'autre monde ou pour télécharger. Y a un protocole qui permet échange fichier ça fait c'est BitTorrent. Dans l'informatique, un protocole, c'est un ensemble règles et procédures qui permettent deux entités partager données ou soit communiquer entre eux. Alors, nous allons laisser expliquer comment BitTorrent là marche. Si il y a un dernier film qui sorti, côté tout le monde besoin film ça. Dans un système centralisé, il y a un problème si tout le monde a PC télécharger film là sur un seul ou soit un groupe serveur. Avec BitTorrent, on dit fichier sur un serveur initialement. Protocole a découpé fichier en plusieurs petits morceaux.
Par exemple, ti morceau sa yo ka 250 kilobytes. Premier moun ki fin télécharger fichier ap tourner serveur pou l'autre moun ki gen pou vin apre yo. Notez que fichier a pas besoin fin télécharger pour l'autre moun ka commencer prendre sou. Chaque ti morceau dans fichier a ou fin télécharger tout disponible pour l'autre moun télécharger. Alors ou client et serveur à la fois. Pour nous clés, pour nous entrer dans la cause, pour tout le monde qui comprend bien, les gens qui ont partagé, même fichier, les gens qui ont formé une niche. Ni les gens qui ont fait, ni les gens qui ont pris, fait partie de la niche. Réseau a gagné la un serveur central. C'est ça, il y a le tracker. Et puis tout le monde qui est sur réseau a gagné le pire. Tracker a gagné la donne toutes les informations sur fichier. Et puis il y a une liste de gens qui ont gagné. Fichier ça sur réseau. Chaque nouveau monde qui veut télécharger fichier ça, c'est tracker qui a amorcé tout processus. Indique mounan qui côté la joindre. Là on télécharger sur réseau ou c'est un leecher. Leecher en anglais veut dire censure. L'antijan péjoratif c'est comme si on vienne profiter de réseau seulement. Là ou que tu télécharger un peu morceau dans fichier ou soit tout fichier, c'est sous l'autre monde pour le télécharger. Laisse ça ou tourne yon cider. Cider en anglais désigne moun ka semé grain nan yon jardin. Ça veut dire moun ki la pou bay. En résumé, litcher yo vin pran, cider yo a bay. En réalité, c'est un logiciel client ou besoin tankou BitTorrent, UTorrent, Views transmission pour Linux. Et puis télécharger fichier .torrent lan, ou soit cliquer sur lien magnet lan, tout reste pas vraiment dépend de ou. Lien magnet lan qui symbolisé par yon lèman permet ou contacter premier seeders yo sans pas besoin passer par yon tracker. Yo vin avec système ça parce que tracker yo semblé yon faiblesse nan réseau. Si yon moun attaque tracker yo, réseau a bien problème. Mais quelques sites qui légal. Site sa yo ou ka aller sou yo télécharger ke pose. Parce que pays gouvernement yo pa gen problème avec site sa yo. Comme ça tout, yon pile qui illégal. Exemple de Pirate Bay, c'est l'équipe plus populaire, plus célèbre, et puis gen OX Torrent, et puis gen l'autre encore. Si c'est ça yo illégal, c'est parce que yo gen bagay sou yo qui protégé par droit d'auteur. Si yo pas bon autorisation ou pas supposé copier yon œuvre. Et puis fais attention, si illégal yo ka représente yon danger pour nous parce que en pile nan fichier yo ka gen virus ou soit l'autre problème. Pour nous aller plus loin, on parle de WebTorrent, qui c'est même principe avec Torrent, là, qui c'est Torrent là en fait en réalité. Mais au lieu de télécharger fichier, ou garder ou soit attendre sauver en streaming. Li très clair. Système peer-to-peer là basé sur communauté, c'est partage. Si pas gen un pile moun sur réseau à qui gen fichier besoin, li ka difficile pour joindre. C'est pour ça, l'on fin télécharger yon bagay, faut qu'ou kite le disponible pour l'autre moun ka profiter tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un système qui note monde sur réseau. C'est un ratio qui reflète quantité ou prend par rapport à quantité ou bay. Tracker yo doit décider bani moun qui l'a seulement pour yo prend mais qui pas vle bay. Méthode peer-to-peer là pas toi intéressé go compagnie. Yo plutôt dépenser en pile dans serveur avec technique pour yo ka supporter pile utilisation yo fait le système yo. Il y a quelques côtés yo kon utiliser peer-to-peer là. Par exemple, dans mise à jour Windows 1, côté ou pas besoin à télécharger mise à jour sur serveur là, mais ou prendre sur l'autre monde ou soit l'autre ordinateur qui gagne sur réseau côté. Pour initiative qui pas gagne gros moyen yo tant pour projet open source, peer-to-peer là était un moyen de diffusion idéal. C'était Oslo pour Tag IC+ TV, à la prochaine. Pas oublier like la vidéo sur terrain, abonnez à la chaîne et puis suivez-nous sur toutes les réseaux sociaux.